Salut les filles, donc je vous retrouve encore. Donc c'est pour vous faire une vidéo tag en fait. Donc j'ai été taguée par Sophie adore le make-up, donc Sophie adore le MU. J'ai été taguée pour faire le tag les vernis. Donc je vais commencer tout de suite. Donc quelle est la marque de vernis préférée? Ma marque de vernis préférée, je dirais que c'est celle de ELF dans la gamme à 1 € parce que en fait. Au niveau des vernis, je trouve que j'ai pas vraiment de marques très différentes. J'ai énormément de vernis ELF parce que au niveau budget, ils sont pas trop chers, enfin même pas chers du tout. Et ils sont plutôt pas mal au niveau de la tenue, en tout cas sur moi. Il y en a qui tiennent plutôt bien, il y en a un peu moins bien, mais ma marque préférée, ça serait celle de ELF. Donc voilà. Paillettes ou non? Alors paillettes, oui. Sachant que c'est plutôt lors des fêtes, donc pour les grosses paillettes, ou sinon encore lorsque c'est par exemple des vernis à ongles où il y a un petit peu de paillettes dedans, oui, parce que j'aime bien, je trouve ça original, enfin original, on en trouve beaucoup, mais enfin ils sont plutôt jolis, j'aime beaucoup. OPI, China Glaze ou Essie? Alors, étant donné que j'en ai aucun des trois, je sais pas. Je serais tentée à dire peut-être ici parce que il y en a près de chez moi. Sinon les autres, il faut que j'aille à 1 heure de chez moi pour trouver des vernis à ongles comme ça. Ou bien sur internet bien sûr. Hein, mais bon, plutôt aucun des trois. Hein. À quelle fréquence changes-tu de vernis à ongles? Alors j'essaye de le garder le plus longtemps possible. Donc pour le moment ça fait 3 jours que j'ai mon vernis à ongles, donc je suis contente. Habituellement je l'ai déjà changé, donc normalement c'est à peu près tous les 3 jours que je change de vernis à ongles. Ensuite, plutôt foncé ou flashy? Alors les deux. Ouais les deux parce que j'aime bien les vernis à ongles foncés. Donc les rouges foncés, les bleus foncés, les noirs, j'aime beaucoup. Donc sinon au niveau des flashy, donc je viens de m'en acheter. Donc avant c'était que du foncé ou du très très clair. Donc maintenant je commence à entamer les flashy, donc rose flashy, orange, un peu dans ces couleurs-là. Donc voilà. Que portes-tu sur tes ongles en ce moment? Donc en ce moment c'est ce vernis à ongles-là. Donc je vous dis, ça fait 3 jours que je l'ai, donc il tient plutôt pas mal. Il y a ceux-là qui commencent un petit peu à s'abîmer. Donc comme vernis à ongles, c'est donc celui-ci. Donc c'est un vernis de chez ELF, donc dans la teinte Cranberry. Donc qui est comme ça. Donc la teinte, si vous la voyez. Donc c'est Cranberry. Alors je vous montre. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je la trouve très très jolie. Vraiment très très belle. En plus là, elle tient bien. Donc en fait, j'ai mis deux couches de vernis comme ça. Même rien qu'une couche, je pense que niveau couvrance, une couche, ça suffit largement. Mais bon, moi, je préfère toujours mettre au moins 2 couches. Donc j'ai mis 2 couches de ce vernis et j'ai mis un top coat par-dessus. Donc voilà. Ensuite, des ongles mat ou in or out. Alors, en fait, je peux porter un peu de tout comme vernis à ongles. Ça dépend un peu de mes humeurs. Des vernis mat, j'en ai. Je les trouve super beaux. Je trouve ça très classe. Et en même temps, les autres, je les aime bien aussi. Paillettes, enfin un peu tout en fait. Niveau vernis à ongles, c'est un peu de tout. Alors, 8e question. Es-tu French manucure? Alors, oui et non. Non, parce qu'en fait, j'en fais plus. Avant, j'en faisais. Mais par contre, j'aime toujours autant. Donc, je trouve ça super beau. C'est super joli. Ça fait naturel. Enfin, c'est super beau. J'aime beaucoup, mais ensuite j'en fais pas particulièrement. J'en fais plus en fait maintenant. Donc voilà. Ton vernis à ongles préféré de l'hiver. Alors je regarde mes vernis à ongles. Et celui de l'hiver, je pense que c'est celui que je porte actuellement. Ouais. C'est le Cranberry de l'hiver. Ouais, c'est celui-là. Donc voilà.
C'est tout donc pour les questions. Donc moi, écoutez, je tague personne. Je pense que celles qui veulent répondre à ce tag, faites-le. Mettez-moi en vidéo commentaire. Ça me ferait super plaisir. Donc voilà, donc je vous laisse à celles qui veulent le faire. Ça m'intéresserait beaucoup. Et je remercie donc Sophie Adore le Make-up de m'avoir taguée. Je voulais vous dire aussi que si vous avez envie de me taguer sur n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Ça me fait très très plaisir de répondre déjà à ce tag. Donc si j'en aurais des autres, ça me ferait d'autant plus plaisir. Et je répondrai donc avec plaisir, vous l'avez bien compris, à ces tags. Donc voilà les filles, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.